Hey la famille Wesh de Gang, c'est Simon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon, comme vous l'avez vu aujourd'hui, décor un peu spécial, petit vlog différent. Je vais pas vous faire chier 3 heures avec ça, mais je voulais commencer cette vidéo en vous montrant un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Comme vous le voyez, un endroit vraiment spécial. Donc vous savez quoi, je vous balance la meilleure intro du YouTube game et on se retrouve après pour la suite. C'est parti. J'espère que vous aurez kiffé cette intro absolument incroyable. Je sais, encore une fois, ça n'avait rien à voir avec le fitness, mais de temps en temps j'aime bien mettre des trucs comme ça. J'étais là-bas, j'avais filmé toutes ces vidéos, donc je voulais en faire quelque chose. Comme vous l'avez vu, j'étais comme un gosse avec tous ces animaux. Mais franchement, on va pas se mentir, tu te transformes un peu en gosse là-bas parce que c'est assez impressionnant. Tu vois rien d'aussi énorme dans la vie de tous les jours que des éléphants ou des rhinocéros, à part mon gros bide dans le miroir. Mais bref, voilà, ça c'était la petite intro pour la vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. Mais promis, à partir de maintenant, on repasse sur du contenu fitness. Donc je vous laisse tout de suite avec une séance de muscu. C'est parti. Hey, what's up, my N-words? What's poppin'? What's good? J'en refais ou pas? Non, c'est parfait. C'est authentique. Bon, la mif, comme promis l'autre jour, on repart sur du contenu fitness. Aujourd'hui, je prends avec moi la salle. Bon, comme d'hab, c'est encore une séance jambes parce qu'après 2 mois et demi, je peux toujours pas faire le haut du corps. Je commence à devenir ouf avec ça. Ça me manque tellement, moi et mes petits bras tout maigres. Mais bon, séance jambes, mais petite différence aujourd'hui parce qu'on va dans une salle différente. On se bouge ailleurs, dans une nouvelle salle. Pourquoi? Pour la seule et unique raison qu'il y a une machine à hip thrust là-bas et qu'on peut faire de hip thrust à ma salle. Qu'on va bouger jusqu'à là-bas. Juste pour cette machine à hip thrust en plus. Donc je sais pas ce que ça va être l'entraînement aujourd'hui. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que tu auras du hip thrust à la fin. Je finis ce petit café et on y va. Bon voilà, j'ai oublié de vous dire, je teste un nouveau protocole ces temps. Avant d'aller m'entraîner, je me prends un shot de vodka pur pour la vasodilatation. Et ça marche super bien, t'as un pump de ouf. Santé. Non, bien sûr les gars, c'est pas de l'avocat, c'est du putain de sirop pour la toux. Parce que comme vous avez pu l'entendre avant, je suis au bout de ma life. Pas m'entraîner correctement, je suis tombé malade. Et non, c'est pas ce putain de Covid. Je me suis fait tester. Mais bon, on va aller à la salle, pas d'excuses. On va s'entraîner, on va se donner à fond. Et on va refiler ma grippe à tout le monde. Let's go! Bon la mif, on est à la salle, on va faire un petit peu le tour de cette nouvelle salle. En gros, c'est pratiquement tout la même chose que ce qu'on a dans ma salle habituelle. Sauf qu'il y a une machine pour les pecs, une pour le dos, une pour les épaules en plus. Et la fameuse machine hip thrust qu'on checkera tout à l'heure. Mais pour commencer, presse inclinée. Ces derniers temps, je vous ai fait des petits commentaires entre les séries. Je vous ai montré ce que je faisais vite fait. Là, je pense qu'on va juste partir sur un bon gros montage à l'ancienne avec de la musique. Donc, je vous laisse kiffer ça. Et on se retrouve à la fin de l'entraînement pour que je vous dise ce que j'en ai pensé. Allez, c'est parti. We'll be right back.
go. Entraînement terminé, comme vous avez vu, entraînement jambes spécial booty aujourd'hui. On a un peu plus varié, comme vous avez vu, j'ai fait des Bulgarian split squat, donc je commence à faire des exercices où je prends des poids dans les mains. Mon épaule va mieux et me le permet. Le hip thrust, moyen. Le hip thrust, il était vraiment pas ouf. En fait, ça s'adapte pas bien à ta taille, ça fait super mal, ça se cale sur ton bide, tu dois pousser dessus. C'était pas grave. Bon, et puis la salle, pas ouf. Donc je pense pas qu'on prendra un abonnement là-bas. En gros c'est la même salle qu'on a mais en upgrade où tu payes 40% de plus. Imagine 40% de plus, ça fait, si tu payes 100 balles, tu payes 140 balles pour avoir en gros deux machines en plus et de l'eau vitaminée à volonté. Donc ça vaut vraiment pas la peine. Mais bref, sur ça on va rentrer, manger un petit truc, aller se coucher. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour le vlog. Donc merci à tous, si vous avez regardé la vidéo jusque là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme je dis à chaque fois. C'est juste un petit clic pour vous, c'est une énorme motivation pour moi. Tu likes, tu partages, tu commentes, tout ci, tout ça. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. C'était Simon Karim. Ciao.